Salut à tous, on se retrouve pour Last of Us avec la phase avec le copain claqueur. Donc c'est parti. On va explorer par là cette fois, parce que je sais à peu près ce qu'il y a là-bas maintenant. Au moins je saurai ce qu'il y a dans ce coin-là. Y'a un baby foot, trop bien. Puis je rappelle qu'on a vu un colosse dans le fond là-bas. Je me déplace un peu vite là, faut que je fasse gaffe. Tu viens pas là toi. Ah, va au fond là-bas, casse-toi. Pendant que moi je vais par là, chercher les 2-3 trucs. Tac, tac. Du scotch. Là ça sert à rien que j'y aille, y'a rien. Putain il arrive. Je vais attendre qu'il se retourne. Je vais flipper avec ta tête de connard. Je parle pas trop parce que je suis concentré là. Pas me faire choper. Passer par là. Ça a l'air un peu moins risqué. Mais non, là je le vois pas, mais il y a la cible dessus. Il bouge pas lui. S'il bouge pas, ça va être tendu. Ah oh, putain, il y en a un là qui arrive. Il va par où? Okay. Ah non, putain, il a changé de chemin là. Il est où? Oh putain, je le savais. Il m'a entendu? Putain, merci. C'était chaud. Oh, le team fait flipper aussi. Là, ça va, il n'y en a pas par ici, les claqueurs. Ouvrir ce tiroir. Putain, il n'y a rien. Ah si. Scotch. Alors, on va faire ça. Je vais réparer ma machine. Oh putain! Oh, c'était chaud. Je me casse par là, quoi. Les flèches, je suis plein. Juste là, je crois qu'il y a le colosse, ouais, donc on va peut-être pas passer par là. Ouais, merde, on va être obligé, je crois. Ah non. Et le colosse, il est là. Je sais pas si je vais pouvoir le passer sans qu'il me voie. Mais il a l'air d'être aveugle lui aussi, hein. Comme il est vraiment au dernier stade d'infection. Il est encore pire que les claqueurs, je veux dire. Ouais, ça va, il m'a pas vu. Il fait des bruits encore plus dégueulasses. Merde!
dépêche-toi. Oh putain. Pas grave, je vais faire péter. Il n'arrivera pas à passer ce croix là. C'est parti. Ça tire toi. Ouh. Ouais, je suis bien sorti. C'est quoi ce bruit encore? On va arrêter là. Oh putain, c'est le bordel! Ah, coupure de journal. L'armée américaine rappelle ses équipes de recherche. Les derniers rapports de l'OMS estimant que pas moins de 60% de la population mondiale est morte. Oh putain, ou infectée par la pandémie d'ICC. L'armée des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle rappelait toutes ses équipes de recherche. Des patrouilles continuent à circuler jusqu'à 15 km au-delà du périmètre des zones de quarantaine pour détecter des citoyens qui souhaiteraient y entrer. Mais plus rien ne sera fait pour évacuer ceux qui se trouveraient dans des régions difficiles d'accès. Le procureur général Monroe, l'a officiellement annoncé dans une lettre. J'ai trouvé ça en ville. C'est quoi ce délire? Personne va venir? Ah mec, ouais. Hein. Dans un sens, j'ai envie de dire, c'est normal. Ça serait mettre trop en danger la populace qui reste, quoi. Chercher ma lampe. Tiroir. Que dalle. Toutes les portes sont ouvertes. On sait que je suis passé par là. Allez. À mon avis, on est presque au bout pour ouvrir la porte pour Ellie. C'est du chien, ça, non? Ah non. Plein de claqueurs. Encore désinfecté, je vais bien. Je me suis fait mort. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ah, bah, c'est ouvert? Ah, elle est là-bas, je suis con. Alors, on va reprendre le câble. Il est où? Là. Et que j'aille le brancher là-bas. Non, même pas. Ah non, faut que je ramène ça plutôt. Ok. Vas-y, ouvre la porte. Attends, je suis en train. Voilà. Là. C'est parti. Brum, 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 brum. Il n'y a pas de bruit. Ah, ça fait aucun bruit. Ouais. Ah merde, putain. Merde, il fait chier. Je suis mauvais, quoi. Ouais, c'est la bonne. Ça a l'air un peu cassé, non? Bien. Essayons la porte. Ah, mais c'est l'électricité, en fait. Non? Ouais, si, c'est ça. C'est pas un moteur. Allez, passe. Allez. C'est claqueur. C'était des lucioles, tu vois? Oh, je pense. Non. Non. Ah bon? Des étudiants. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Non, ça, c'est d'où je viens. Par là, ok. Okay, y a-t-il quelque chose par ici? Ça a pas l'air. Allez, il est là. On va sauter le petit truc là-bas. Merde, je me suis arrêté. Là. Allez. La clé. Allez. Pas de garde. Putain, y'a rien du tout. Ouais. On va bien finir par croiser quelqu'un. Ah, il y a des trucs dans la tente. Allez, on en va. Ça je prends, ça je prends.
va finir à pied hein, parce que c'est casse-cou de descendre, de descendre, de descendre. Ouais, quoique c'est vachement grand. Tu connais ce genre d'endroit? Non. Quoi, à l'université? Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi? J'étais jeune quand Sarah est née. T'as été mariée? Non. Pendant un temps. Ah bon? Juste un temps? Ok. C'est trop. Exact. Tac, tac. Il y a plein de trucs ici, c'est bien. On perd toutes les tentes. Je vais tout dévaliser. Chose dans le camion. Je vais fermer. Dans cette tente-là, il n'y a rien. Celle-là, il y a des trucs. Truc délicieux. Ouais, je pense. J'espère. Et ouais, j'espère aussi. Ouais. Sinon, on aurait fait tout ça pour rien. On n'en sait rien. En fait. Oula, là-bas, il y a de la lumière. Avec des panneaux solaires, je crois. Il va me falloir le cheval bas à l'attente devant, c'est parfait. Les barricadés, tout ça. Ça avait l'air bien barricadé, c'est bizarre quoi, il y a vraiment personne. Pour nous accueillir quoi. Moi je pense qu'il n'y aura rien là-dedans. Je peux pas appeler Ellie. Dommage. Allez. Va-t'en. Hop là. En route. Y'a vraiment personne aussi. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Je peux pas. Oh, tu arrives, déconne le truc. Il y a une porte là-bas, je sais pas si je peux l'ouvrir. Non, c'est meilleur, il y a le petit cône. Là-bas alors. Tout ça. Ouais, ça ressemble à une entrée. Ouais, ce que je voyais tout à l'heure, on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne. Eh bien, allez, on va voir ce qui ressemble à une entrée. Ça a l'air fermé. Ouais. C'est tout rouillé. Faut trouver autre chose. Tu l'as fait passer au-dessus. Ouais, voilà. Mais Ellie, elle a raison. Mais... Bon, alors, on trouve un moyen. Ah, ok, je vois. C'est bon. Donne-moi le cheval. Je sais ce qu'on va faire. Ah, bah non, on peut pas en fait. Ouais, si, à mon avis, mon idée, c'est la bonne. Allez, Oust. C'est par là. Ah non, tu peux pas. Bon, vas-y, on va sauter. Vas-y. Tu les veux pas sauter. Vas-y, on passe au dessus. Non, ça marche pas. Bon, on est censé aller par où là?
sûr que j'ai arrêté un truc à la con, comme tout à l'heure. Et que je suis en train de faire un tour pour rien. Allez. Voilà, y'a rien. Ça doit être pas au-dessus avec le cheval parce que faut pas laisser le cheval là quoi. Ah, il faut que je trouve un truc à pousser. Je suis con. Putain, descend, j'aurais. Mais en montant sur le cheval, on peut pas. Attends. Allez, va-t'en. Je suis en train de me poser la question là. Ah, mais il veut pas passer au-dessus. Pourtant, t'es carrément à portée quoi. Ah non, ça veut pas, c'est tout roulé. Je trouve un truc à. Qu'elle est là-bas. La benne, là. Voilà, parfait. T'aurais trop dû la balancer par terre pour vider ce qu'il y a dedans. Et tu la lâches dans la descente. Ouais, voilà. Wouh! C'est pas ce que j'avais en tête. Ouais, moi non plus, mais bon, voilà. On va devoir laisser le cheval là, je crois. Il dit. Apparemment, elle l'avait compris. Bon merde, faut aller où là, ce putain, je rate plein de trucs, je fais non. Faut reprendre la poubelle ou c'est comme ouais pour monter sur le camion et là-haut, ok. Donne-moi la poubelle. Enfin, le cheval il pourra pas venir avec nous sur ce coup-là. On aimera le chercher plus tard. Ah, les panneaux solaires. C'est quoi cette caméra là? Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil. J'ai une nouvelle veste, ça fait combien de temps j'ai pas remarqué? On est dans un labo là. On est arrivé ou quoi? Eh oh! Oui? Où est-ce qu'ils sont? Ça ressemble à un labo, ouais. On est arrivé, quoi. Ah, les gars, il nous faut des lucioles, là, parce que, ouais, voilà, quoi. Sinon, on a fait tout ça pour rien, c'est pas cool. Tableau, ou alors c'est l'université, encore, c'est pas vraiment le labo. Je peux pas prendre ça. Ah, je suis plein. Attends, c'est quoi? Les chiffons. Je fais un cocktail de water, hein. Hop là. Au dessous. Bien équipé. C'est parce que j'ai bien crafté, je pense. C'est l'un des seuls trophées que j'ai dû avoir là pendant tout le jeu. Une table de craft. Ça sent l'action tout ça. Bon, cet emplacement est bien. A mon avis, j'ai dû rater le niveau 4 et 5 du truc.
J'ai même pas utilisé le vaisseau. Améliorer le fusil de chasse. Hop là. Ça fera très bien l'affaire. Comme tu dis. Si je regarde, il... Évite de crier comme ça. Pète de crier comme ça. On reste discrète tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Joël. Casier. Tu dalles. Et voilà. Oh yeah. J'aurais préféré le trouver avant, putain, chier. Oh, 50 pièces. Bulle. Voyons ce qu'on peut faire. Encore assez pour faire la défense sur un. Je vais fabriquer un sur un. Voilà. Puis je retourne à la table de craft. Okay. Histoire de bien se préparer. Pour je ne sais quoi d'ailleurs. Mettez la vache. Ok, ok. Ah, du coup, j'ai le niveau 4 maintenant. Ouais, je vais améliorer ça, c'est scratch ce truc. Capacité du chargeur. On est dans la perforation. Ah, merde, plus assez d'ambition. Là, ça peut le faire. Ah, ça fait chier, je cours pas vite. Je trottine, moi. Hop là. Putain, y'a personne, on est dans la merde. Tu fais quoi, Ellie? T'as trouvé quelque chose? Ah, je trouve un papier. Rien d'intéressant. Il n'y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Ouais. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Ou pas. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Oh putain, c'est elle m'a fait peur. Je crois que le bruit qu'on avait vu, ça était en train de descendre. Y'a aucun affecté, Lendra. Oh putain, doucement, Joël. Charger ma lupette. J'avais dit une bouteille, mais c'est pas grave. Bizarre, il me donne des breaks. Une note. Magnétophone du bureau. Lecture. Les infectés ont tué deux autres de nos gardes. Ils vont encore tenir une putain de réunion au sujet de la sécurité du labo. Tout notre équipement est ici. Toutes nos données. Tout le personnel s'est habitué à vivre ici. Bon, je vais faire d'autres tests. Sinon, cette incompétence va me rendre complètement fou. Ok. Donc, il y avait bien des chercheurs ici.
Il y avait quelque chose là. Et... tiroir. Hop, petite pilule. Tiroir. Oh putain. Donc là c'est que 4. C'est bizarre, c'est vachement calme quoi. Putain, là, il me donne plein de trucs. Pilule encore. La santé, je suis plein. Hop, encore des trucs pour craft. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Ouais, moi je pense que les cadavres ils ont été ramassés. Oh, merde! C'est quoi ça? C'est quoi ce putain de bruit encore? Mais j'ai déjà fait. Ok, on va aller tout droit là-bas. Quelqu'un qui a fui par là. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Voyons X, fongite, consulté. Radio de développement fongite dans la cerveau de la personne. Oh shit. Maintenant que j'ai pris les radios, il va se passer quelque chose. Non, même pas. Des singes infectés? Ah non, c'est juste des singes, putain. Ouf. Au moins, c'est pas des claqueurs. Ah, tu m'étonnes. Ni des lucioles. Ouais, pas faux non plus. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Merde, pendant que tu es délicieux, on s'en fout. Je crois que c'était des balles. Mais ça fait un moment que c'est pas passé grand chose là. J'ai shooté dans ça. Ouais, pour ça je m'en doutais. Ah, ça y est. Un cadavre. Non, merde. Sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Non. Ouais, je connais la ville. Bah, si c'est loin? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi? Oh putain. Les lucioles? Baisse-toi! Oh, c'est qui ça? Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Alors, Régis, tu nous aides à partir ou quoi? Bon, en tout cas, une chose est sûre, on fichera le compte d'ici la prochaine fois. Salut.